Bon, là, c'est quand même une programmation super hip-hop. On a le mystère amer, casseur flotteur, Booba. Ouais, ouais, bien sûr. Moi, je suis un retraité du hip-hop, hein, tu sais. Tu vas voir ce que je joue tout à l'heure, ça n'a plus rien à voir avec. C'est très loin de Ministère Amer. Même si j'adore Ministère Amer. Grand fan de Stomy. Après, les reformations, c'est un drôle d'exercice et j'espère qu'ils vont bien s'en tirer. Mais en tout cas, c'est des mecs que j'ai écoutés beaucoup dans ma jeunesse. Après, évidemment, ce que je fais aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ça. Et faut pas s'attendre à un truc forcément hip-hop, mais faut s'attendre à de l'inattendu. Et là, il y a Booba mardi, tu seras là ou pas? Non, je serai pas là, je serai parti pour des vraies vacances. Mais c'est un rap que t'écoutes toi aussi? Non, moi j'écoute plus de rap, moi. De toute façon, c'est terminé. Donc il y aura jamais la suite de mes pelures sont plus belles que vos fruits, c'est terminé, il y aura pas non, ça. Non, malheureusement, je suis à sec. C'est-à-dire que j'ai tout dit, j'ai plus rien à dire. Le rap, c'est un truc de jeunes qui ont le feu en eux, tu vois. Je suis un papa maintenant, tu vois. J'ai plus rien à prouver. J'ai plus envie de me battre contre les moulins à vent, tu vois. Ce que je fais aujourd'hui, il y a toujours l'esprit de TTC dedans. Mais c'est un esprit qui prend une autre forme aujourd'hui. Et c'est un esprit qui prend une forme plus club. Et voilà, je suis devenu un DJ. Je m'épanouis à fond là-dedans. J'ai mon label qui s'appelle San Pellegrino. J'invite tous ceux qui ne connaissent pas encore à découvrir. Après, il y a toujours une influence hip-hop dans ce que je fais, mais elle est plus délicate à trouver et plus subtile qu'avant.